Toujours en suivant la 1 en direction de Golden et de Revelstoke, on va arriver au Kicking Horse Canyon. C'est un super site de cascade au soleil. C'est un site qui est vraiment très proche de la route, avec du coup l'avantage qu'on va marcher très peu pour accéder aux cascades et l'inconvénient qu'on va avoir un petit peu le bruit des voitures. Pour escalader ces cascades, il va falloir se garer à l'aire du Kicking Horse Canyon. Il faut faire attention parce que dans la 4e édition du Topo de Glace, c'était pas encore le cas et donc on pouvait se garer à côté de la cascade juste en bas. Et maintenant, nous, c'est plus autorisé, on a pris quand même une petite amende. Il y a vraiment de quoi faire en escalade de glace dans ce secteur. Du coup, ça vaut le coup de rester plusieurs jours et puis en plus, il y a la possibilité de s'héberger vraiment facilement à Golden. Dans ce coin, il y a vraiment eu une voie qu'on a beaucoup aimée. C'est Essendel Right. Alors c'est 4 longueurs, 3 longueurs en 4+, avec juste une longueur en 4+, super jolie, au soleil, enfin, c'est vraiment grandiose. Les cotations, justement, on va dire qu'au Canada, se méfie un petit peu par rapport au topo. Il y aurait comme un petit plus par rapport aux cotations françaises. Donc dans un 4+, on va avoir l'impression qu'on est dans un petit 5 plutôt. Voilà, et c'est en partie, je pense, à cause du soleil, qui a tendance quand même à faire fondre la glace, à reboucher les trous, à former des flûtes. Et du coup, on a un petit peu toujours l'impression qu'on est en train de faire le premier passage de la saison. Dernière étape de notre périple canadien, le Roger Pass. Le Roger Pass, c'est le site du ski de rando au Canada. Ça se situe encore à l'ouest de Golden, entre Golden et Revelstoke. Et c'est un col, donc il n'y a rien de particulier à ce col. Il y a juste un hôtel-restaurant et un centre d'information. Et on a un potentiel de ski qui est comparable, on va dire, à celui du massif du Mont-Blanc pratiquement.